Bonjour. Et moi, Roberto. On s'appelle. Il se prend pour un chien. Et là, quand il brosse comme ça, c'est quoi? Ah, c'est sortir. C'est bon. Hello à tous, alors déjà pour commencer, mon Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Greg Guillotin. Ensuite, on se retrouve avec une vidéo un peu particulière. Vous allez voir dedans, il y a des réactions assez surprenantes de la part des piégés, mais dans le bon sens du terme. À la base, on était parti sur un scénario complètement what the fuck et un délire purement comique. Et au final, on se retrouve avec une vidéo dont on est assez fier parce qu'elle montre vraiment de belles choses. Pour les plus curieux concernant l'aspect technique ou la mise en place, ou pour ceux qui voudraient comprendre comment on a fait pour obtenir de telles réactions de la part des piégés, vous retrouverez en fin de vidéo chaque piégé filmé sur 4 axes et sans aucun montage. Il faut savoir qu'on déclenchait les caméras pas mal de temps avant l'arrivée de chaque piégé, donc ça va vous permettre de voir le piège en intégralité pour le piégé de votre choix. De cette façon, on reste dans notre démarche de transparence et on trouvait ça très intéressant en fait de vous montrer la différence entre une caméra cachée qui est montée et des rushs qui sont en intégralité. Et vous retrouverez par ailleurs des informations complémentaires concernant la fabrication de cette caméra cachée en description de la vidéo, c'est-à-dire des secrets de fabrication. Pour cette caméra cachée, une comédienne du nom de Marlène a fait venir plusieurs babysitters à son domicile pour venir garder son fils Bruno. Mais c'était sans indiquer que celui-ci était un peu particulier. Chut ! Nono, arrête ! Bonjour ! Bonjour, un petit jeu d'air ? Oui. Oh, j'adore. Ah, bah ça tombe bien alors. Oh, j'adore ! Vous me rassurez. Bonjour ! Voilà, c'est mon fils, Nono. Bonjour. Ça va? Ça va? Il est très... Voilà, c'est pour lui que je vous ai appelé. Ouais. Bonjour, madame Marla. Oui, faites moi. Je m'excuse pour ce retard. Pas je suis désolée. Mais de toute façon... Je vous permets le retard de... cette heure que, qui est passée et on mettait quoi. Ah, voilà. Non, non, mais vous inquiétez pas, il est adorable. Vous avez fait connaissance, c'est pour mon fils. Ouais, très bien. Ça va bien se passer. Ouais. Et, il n'est pas agressif, il est voilà. Gentil. C'est oui. Votre fils, d'accord. Voilà. Bonjour. Il est franchement gentil. Bon, voilà, c'est... D'accord. Kiki, stop. Kiki, stop. Voilà, oui, je fais comme ça. Okay. Voilà. Et moi, Roberto, on s'appelle Nono. Nono. Oui, parce que c'est Bruno, mais je fais un petit surnom. Voilà. J'ai mis des petites consignes. Mmh. Il comprend assis, couché. Mmh. Quand il se gratte l'oreille, ben, ça veut dire qu'il veut des friandises. J'ai un voisin qui doit passer parce qu'il doit m'en ramener des friandises parce que j'en avais plus. Il vous donnera le paquet de friandises, vous pourrez lui en donner. Moi, voilà, s'il en veut. Voilà. Juste, je reviens sur le troisième, sortir pipi. Du coup, c'est quoi? Ben, c'est, vous lui mettez la laisse et puis les chaussures, puis vous le sortez, vous voyez, c'est ce périmètre-là. Et ben, il fait des fois pipi contre l'arbre. Mais bon, les voisins connaissent. D'accord. Ils savent. Ils connaissent. Ouais, il n'y a pas de souci. Les croquettes sont juste à côté des gamelles. Pipi avec la laisse et les chaussures. Voilà. Sortir dehors? Ouais. Le matin, le soir. Comment dehors? Bah, il fait pipi à son endroit habituel, à un arbre. Donc moi, j'ai juste. Je le tiens ou? Vous avez. Ah, oui. Il y a la laisse. Vous le tenez. Donc, je fais et puis. Mais vous savez, les gens les gens du quartier me connaissent, donc ils savent. Donc pendant qu'il fait pipi, je tiens toujours la laisse. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Je veux dire, elle est quand même... toujours comme ça Non, il a eu un gros choc. Ouh. Oui. Et il était dans, avec le petit chien dans la voiture. La petite chienne est morte, c'est sa petite chienne préférée. Voilà, ça, il a un peu dérangé. Hé hey, Kiki, non. Stop. Oh. Voilà. Oh. Oui, c'est pas compliqué. Mais c'est des affaires là Non, mais mettez-les sur le canapé. Pas grave, vous savez, ça craint pas, hein. Quand même. Bah voilà, il a compris. Merci. Et merci Nono pour ta laisse. On reste ensemble Nono? Ok. Tu vas rester avec Sophie, d'accord? Ça te va? On fait. Ok, on joue ensemble un petit peu si tu veux. Il se prend pour un chien. C'est psychologique. Il fallait juste qu'on m'en parle avant, comme ça au moins psychologiquement je me préparais aussi. ça va aller. Il faut le sortir pour faire pipi en laisse et aux choses dehors. Si. Dans la rue. Il a son petit endroit, son arbre et. Mais bon. Mais je vois pas ce pot sourire. Ah non, justement. Ouh. Ah non, pas la fenêtre. Ouh. Ouh. Ah non, pas la fenêtre. Ouh. C'est niette. Reste là un petit peu, le temps que je parle. Et là, quand il brosse comme ça, c'est quoi? Ah, c'est sortir. Ok. Mais il est adorable. Bonjour.
Et bah, du coup, on va peut-être y aller avec vous. Vaut mieux attendre un peu le voisin. D'accord. Et voilà, puis voilà, moi je vais me dépêcher. Salut. Merci beaucoup. De rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, c'est pour Nono. J'ai apporté des petites friandises. Ah, bonjour Nono. Je suis le voisin du dessus. Attends, j'ai jamais vu ça. Je le donne à manger. Le pauvre, il a 15 ans, il fait comme un chien. Son chien, il est mort, il a eu un choc. Il mange comme un chien, c'est un choc. Il boit. Non, c'est un être humain. Bonjour madame. Oui, on m'a dit que la Mara m'a prévu. Ah, madame. Oui, Mara m'a prévu. Ça va ? Oui, j'en peux. Ah, il a senti. Ah, il a un bon odorant en plus. Ouais. Hein. Sinon, t'es gâté, hein. Sortir là. Ouais. Vous pourriez le sortir un petit moment parce que là il est. Ouais, bah on va le sortir, hein. Y a pas de soucis. Allez, on y va. Voilà. Ah, tu veux te sortir ? Ouais. Sortir ? Ouais. Non, après, après. Tu vas à la toilette ? Oh. Non. Tu vas à la toilette. Oh. Ah, tu veux sortir ? Bah, attends. Attends, on va sortir. Non, 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 non. Très bien, très bien. Vas-y. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux? Ok, mets tes chaussures. Attends, j'attache ça parce qu'il fait froid. Bouge pas. Tu vas aller faire pipi? Ok. T'es sage, hein? Promis, hein? Oh. Rigolade ou... Je vais sortir. Ça. Ça va mieux? Ah, ça, mon grand.
Et t'enlèves bien tes chaussures, hein. Enlève bien tes chaussures, s'il te plaît, Nono. On a fait la promenade de dos. Oh, c'est pas grave, on fait tous. On a le droit de péter. Oh. Bah oui, attends, t'as vu? En plus, il y avait un gros et un petit, et toi, t'as voulu les attaquer. Faut pas les attaquer. Faut pas, Nono, je te jure, faut pas. Mais non, faut pas. Je sais, mais bon. Ils ont le droit d'être dans la rue devant ta maison aussi, hein. Bah oui. Dis ok. 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 Là, Nono t'abuse, hein. Nono t'abuse. Non. Regarde, c'est pas la musique. Allez, on danse. Courbet. Ah mon nono, t'as l'air toute contente. On a été faire un petit pipi dehors. Ah bah je suis ravie. Ah, on a été faire un petit pipi dehors. Ouh. Et là, qu'est-ce que je viens de te faire? Un super massage. Il a pas fait de bêtises, rien. Il a pas, franchement. Et qu'est-ce que t'as fait nono avec les deux chiens? Ouh. Exactement. Ouh. Donc ça, c'était pas cool, hein. Parce que t'as voulu les attaquer. Je l'ai pris par ma main. Elle a pris ma main. Oui. Ouh. Elle a descendu avec moi doucement. Ouh. Voilà. Voilà. C'est bon. Roberto. Ah. Roberto. Oui. Merci. Bon, quand vous avez besoin, vous me dites. Oui. Vous gardez bien mon numéro. Alors, ma petite dame. Oui. Je vais vous annoncer quelque chose. Dites-moi. Vous êtes dans une caméra cachée. C'est pas vrai. Excellent. J'adore. Ah, bien. Merci. Yes. C'était trop bien. Je crois que c'était beau, là. Ah, oui. Je suis vraiment tout. Ah non, mais t'as bien fait ton rôle. Oh, non, faut pas pleurer, t'as été top. Ah non, c'est super. Ah, faut surtout pas pleurer. C'est faut surtout pas pleurer. Génial. Oh non. Oh non, mais toi aussi. C'est génial. Parce que tu te dis, les gens sont trop méchants. Mais oui, mais oui. Ah, mais bah, c'est bien, c'est le bon exemple. Justement, tu peux être fier de toi. Je t'ai adoré en tous les cas. Ma chère Naïma. Merci. Je voulais vous dire. Bravo, c'est une caméra cachée. Pardon. Oh là là. Je vais passer la mission. Ouais, c'est une caméra cachée. C'est grave. C'est bizarre que je vois quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et en fait, planqué dans la chambre, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas rentré. Voilà, je suis rentrée dans la chambre. La prochaine fois qu'on m'a dernier, j'irai voir. Ouais, j'aime votre grand cœur et je vais vous présenter. Bonjour. Grégory. Oh, ouais. Oui. Voilà. Oh, ouais. C'était une petite caméra cachée. TV It's show. TV French. Oh, merci. As for me, it's for the human. I don't care what the other people say, but for me, it's my heart and it's still a man. So I have to take care. If it's my son. Je garde des chiens et ce soir j'ai un chien qui m'attend à la maison pour une semaine. Ah. Alors je vais te dire, toi tu me faisais même pas peur. Mais en vrai, j'adore les chiens et je passe tellement de temps à les observer. Mais tu fais très très bien. Ah, ouf. Je voyais mon petit staff qui va arriver ce soir, la même chose. Ce soir je vais te dire, t'es sûr que t'es pas une caméra cachée? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez visionner l'un des piégés en intégralité sans montage, avec également ce qui se passe avant et après, n'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo sur le lien correspondant au piégé. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de regarder la vidéo précédente.